Salut à tous, c'est Néo. Donc là, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve donc pour une nouvelle méthode pour pouvoir modder ses véhicules en solo. Donc c'est un RC tout cœur. En gros, on aura besoin d'un RC Bandito pour pouvoir modder ses véhicules. Donc en tout cas, avant ça, les gars. Plus que 40 abonnés et on est déjà aux 16 500 abonnés, c'est juste énorme. Go rush au plus vite les 16 500, je compte sur vous. Donc pour commencer ce glitch, donc vous aurez besoin d'avoir la Mess Bank Arena comme moi, d'accord? Donc dans cette Mess Bank Arena, vous devrez posséder donc un RC Bantito, un RC Bantito modé comme moi. Regardez le mien, il est bien modé, tac, voilà. Et vous devrez avoir dans le niveau de l'atelier le véhicule que vous voulez modder, d'accord? Donc tous les véhicules marcheront, ça n'a aucune importance, ok? Donc pour ce glitch, donc pas besoin de spawn au bunker, d'accord? Donc en gros, vous n'aurez pas besoin d'avoir un bunker. Moi, pour ma part, j'étais en point d'apparition, apparition, dernière position. Vous avez vu? Donc vous devrez aussi être en session sur invitation. Avec un mode de visée libre ou un mode de visée assisté, peu importe. Moi, pas juste un mode de visée assisté, d'accord? Donc, une fois tout ceci préparé, vous êtes prêts à réussir le glitch? Du coup, c'est parti, let's go! Allez, hop! Donc là, pour commencer le glitch, vous devez avoir un RC Bantito modé. Donc, le mien, pour ma part, il est bien modé avec les roues F1, la couleur de ton, la plaque Yankton et les vitres vertes. Maintenant, vous prenez votre véhicule que vous voulez modder. Donc moi, pour ma part, c'est la nouvelle moto, la Strider, qui est sortie récemment. Donc là, on fait la flèche de droite pour modifier notre véhicule. Puis maintenant, vous allez faire le bouton rond et faire descendre du véhicule. Alors, on descend. Maintenant, on se dirige vers notre RC Bantito et on fait la flèche de droite. Là, on reste dans le menu 1 à 2 secondes, puis on fait le bouton rond et on fait quitter l'atelier. Maintenant, là, vous allez vous placer donc pareil que moi au même endroit à peu près. Vous allez ouvrir votre téléphone, aller dans contact et vous allez appeler soit Siméon, ok, soit appeler Ron, soit appeler Martin, ou soit vous allez appeler Gérald, d'accord? Donc tous les quatre marcheront. Moi, pour ma part, je vais appeler Siméon. Du coup, allop, je l'appelle et on fait demande d'activité. Tac, on clique sur demande d'activité. Maintenant, là, vous allez ouvrir votre téléphone, aller dans liste d'activités et vous attendez que vous recevez l'invitation de Siméon. Une fois reçu, vous l'ouvrez en grand et vous allez faire une petite manipulation. D'accord? Vous allez faire le bouton triangle, puis directement maintenir le bouton option. Dès que vous relâchez le bouton option, on fait bouton croix, d'accord? Allop, bouton triangle, après on maintient bouton option. Dès qu'on relâche, on fait bouton croix. Donc là, je me suis raté la première fois. Du coup, si vous vous ratez comme moi, on fait bouton rond et on fait quitter. Tac, parfait. Là, on se place dans le coin derrière jaune comme moi. Là, on va ouvrir l'invitation de Siméon en grand, puis on refait la même manipulation. On va appuyer sur le bouton triangle, puis directement maintenir le bouton option, et on va relâcher le bouton option, et dès qu'on relâche, on fait le bouton croix. Ok? Alors, on fait bouton triangle, après on maintient le bouton option, dès qu'on relâche le bouton option, on fait le bouton croix. Là, ça va ouvrir le menu pause. Après, dès que notre joueur s'assoit sur le véhicule, on fait le bouton rond et on fait la flèche de gauche. Ok? Alors, là, dès que notre joueur s'assoit, on fait directement bouton rond et directement, on fait la flèche de gauche le plus rapidement possible. Tac, bouton rond, flèche de gauche. Là, on verra notre véhicule modé pendant une demi-seconde. Et après, on va atterrir dans la mission de Siméon. Donc une fois rendu dans la mission de Siméon, on fait le bouton rond et on fait quitter. Donc là vous allez voir, boum!
Notre véhicule est bien bondé, du coup ça a bien fonctionné. Vous avez vu? Et après le modage de mon RC Bandito avec la couleur de ton, la plaque Yankton, les roues F1 et les vitres vertes. Donc là maintenant, on fait la flèche de droite pour modifier notre véhicule. Tac, parfait. Et pour enregistrer notre véhicule dans le jeu, il faudra juste changer. Donc une amélioration du véhicule, par exemple, vous changez soit le blindage, soit les freins, soit le moteur, ce que vous voulez du moment que vous changez un truc. Ok? N'hésitez pas en tout cas à vous abonner et à liker. Go rush maintenant les 16 500 abonnés, je compte sur vous. En tout cas, moi je vous laisse sur ce gameplay, sur ces images. C'était Néo. Allez, ciao!